Et bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur cette nouvelle vidéo astuce de maman où je vous présentais le comparatif des meilleurs chauds-vivants en 2022. Quand un bébé allaite, le lait maternel est à température corporelle. Ainsi, naturellement, les bébés préfèrent souvent les biberons de lait chaud au lait froid. Mais n'allez pas encore chercher votre micro-ondes. L'utiliser pour chauffer le lait maternel ou le lait maternisé est fortement déconseillé. Les micro-ondes peuvent créer des points chauds dans le liquide et ébouillanter la bouche de votre enfant. Optez pour les chauffe-biberons, ils chauffent rapidement et uniformément le biberon et un sac de congélation de lait ou des aliments pour bébé réfrigéré afin qu'il puisse être utilisé sans danger immédiatement. Nous vous donnons les meilleurs chauffe-biberons du marché pour vous aider à faire votre choix. Déjà, on a le chauffe-biberon Nuque. Le petit chauffe-biberon électrique Nuque fonctionne aussi bien dans votre voiture que chez vous. Il s'intègre parfaitement dans tout type de cuisine avec son design moderne, et ses deux poignées vous évitent les potentielles brûlures, et sa couleur blanche le rend discret. Ce chauffe-biberon s'adapte à tout type de pot ou de biberon. Il réussit à conserver la qualité du repas de bébé en les chauffant en 90 secondes. De plus, à la fin de son cycle de chauffe, il s'arrête automatiquement. L'appareil est particulièrement léger et suffisamment petit pour pouvoir être transporté facilement. Ensuite, on a le chauffe-biberon Baby Move. Avec son design mignon et discret, le petit chauffe-biberon Baby Move se fondra facilement dans le décor de votre cuisine. Son anneau d'adaptation lui permet de recevoir tout type de pot et de biberon avec un temps de chauffe rapide. Le chauffe-biberon électrique de Baby Move viendra à bout de l'impatience de bébé. Son utilisation est super simple. Une arme visuelle et sonore ainsi qu'un anneau rétroéclairé vous indiquera les débuts et fins de cycle. À la fin de la préparation du biberon, le chauffe-biberon Baby Move s'éteint automatiquement. Ensuite, on a le chauffe-biberon Tigex. Le chauffe-biberon Tigex vous permet de préparer le biberon de bébé super rapidement. Son avantage, il possède une double alimentation qui vous permet soit de le brancher sur une prise secteur, soit dans une voiture sur allume-cigare. L'appareil s'arrête automatiquement à la fin du cycle de chauffe. Son design compact vous permet de le transporter facilement d'une seule main. Ce nouveau chauffe-biberon de Tigex offre la solution la plus puissante et la plus rapide du marché pour chauffer les biberons et les petits pots pour bébé. Ultra rapide, il chauffe le biberon et les petits pots en 60 secondes seulement. Il s'agit d'un article essentiel pour la préparation des repas. Il s'adaptera à tous les biberons et petits pots disponibles sur le marché. Et pour les bébés en déplacement, ce chauffe-biberon Express est également disponible en version familiale avec un câble adaptateur qui se branche directement sur l'allume-cigare de la voiture. Ensuite, on a le chauffe-biberon Philips. C'est de loin l'un des meilleurs investissements que l'on peut faire. Simple d'utilisation, pratique et offre un grand confort d'utilisation. L'eau bouillie dure de 8 à 12 heures selon le nombre de fois que vous utilisez l'eau. J'ai trouvé que c'était parfait pour faire du shopping, un voyage d'une journée complète et des vacances. Difficile de s'en passer. Même papa l'adore. Le chauffe-biberon super compact qui fonctionne sans électricité, difficile de s'en passer. Et pour finir, on a le chauffe-biberon Badabulle. Le chauffe-biberon Easy Plus de Badabulle vous fera gagner pas mal de temps à l'aide de sa dosette et de son système vapeur qui chauffera le biberon de votre petit ange en moins de 2 minutes. Utilisable chez vous comme dans la voiture, combattez la faim de bébé sur tous les terrains. Compatible avec tous les biberons ainsi que les petits pots, bébé pourra siroter son repas dans son biberon préféré. Préparez les plats de bébé facilement. Pour conclure, vous pouvez certainement laisser le lait maternel toute la nuit dans votre réfrigérateur et le servir froid si votre bébé n'est pas difficile. Mais vous pouvez également réchauffer le lait et les aliments en les plaçant dans un bol d'eau chaude pour les réchauffer lentement. Mais un chauffe-biberon peut accélérer le processus de chauffage et beaucoup vous avertissent également lorsque le lait ou les aliments sont prêts à consommer. Et c'est le mieux pour le confort de votre enfant. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis, mettre un like et vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour ne rater aucune nouvelle. Et évidemment, le lien du produit présenté ici est présent dans la description. Alors n'hésitez pas une seule seconde.